Peut-être est-il temps de mordre à tous les fruits impalpables qui n'ont que le soleil pour chair. Mordre à l'aube, mordre à l'eau qui n'a pas connu d'étrave, à la peau jamais caressée, à la buée où chaque souffle donne corps au passé de l'instant. Peut-être est-il temps de briser les vitres pour sauver leur transparence, de tomber sans cri du plus haut étage, de rester en sang sur le trottoir en attendant que les autos se resserrent comme des points sur passagers et conducteurs, et qu'on laisse enfin passer le vent et la beauté de l'invisible dans les rues. Information continue. L'écran éteint, les images demeurent. On voudrait les effacer, mais de quelle vitre? On voudrait regarder dans les yeux quelqu'un dont les yeux ne sont pas des plaies à recoudre. C'est vrai que quand on lit à 14-15 ans au plafond de la Libellule un enfant fou s'est pendu, il est vrai que ces deux vers, dont aucun des mots ne me semblait devoir aller avec l'autre par logique, hein, par raison, ça m'a semblé quelque chose d'assez explosif. Si quelqu'un a écrit cela, c'est parce qu'il devait sentir le besoin de l'écrire. Alors, qu'est-ce que c'est que le plafond de la Libellule? Qu'est-ce que cet enfant fou fait là, pendu? Et donc, il m'a semblé que cette espèce d'incohérence avait, au fond, une raison d'être, quoi. Moi, c'est ça qui m'a fasciné dans ce type de poésie, c'est que c'était apparemment quelque chose d'à côté de la plaque, mais qui avait sa nécessité. Mais je dois dire, oui, que j'ai gardé de cette initiation à la poésie par principalement le surréalisme, j'ai gardé cette certitude que l'image en poésie, dans un poème, est primordiale. Hein. Alors, dans l'évolution de mon écriture, c'est-à-dire dans ce que j'écris actuellement, je dirais qu'il y a plutôt de moins en moins d'images, mais que l'idée de crisper quand même le sens du poème autour de quelque chose d'un peu énigmatique ou d'un peu surprenant demeure. Hein. C'est peut-être moins spectaculaire que dans les premiers poèmes que j'écrivais, qui étaient parfois presque une chasse à l'image. Hein. Plus il y avait de métaphores ou de comparaisons, plus j'étais content. Et puis bon, il y a un moment où le poème devient saturé par les images, n'a plus d'intérêt, n'a plus de sens. Donc il faut savoir ménager des moments de simplicité et puis des moments où quelque chose va se solidifier, se cristalliser autour d'une image qui va chercher quelque chose d'un peu particulier chez le lecteur et qui souvent me surprend moi-même, comme la plupart des poètes disent qu'ils sont d'abord parfois les premiers surpris par leur poème, quoi. Hein. Ce que mon ami Jean Peyrol appelle la stupeur. On écrit pour être stupéfié et peut-être pour stupéfier le lecteur ensuite, quoi. Donc l'image vient dans l'écriture même. De toute façon, pour moi, la poésie, c'est l'écriture elle-même. Il n'y a rien qui préexiste au poème. À la fin du jour, parfois c'est une écharde, mais le plus souvent tout un arbre qu'il faut retirer du corps avec l'étonnement de n'en pas souffrir. Et le soir, lui aussi, doucement, retire de la lumière tous les chemins de terre et d'eau, comme s'il était inutile que désormais quelque chose mène quelque part.
Monde et souffrance en moins, nous marchons dans la paix de la nuit, en prenant soin de ne laisser nos traces qu'en nous-mêmes. Là, tout de suite, et pas plus tard, tu voudrais savoir. Savoir pourquoi, quand on avance, la distance ne rétrécit que parce qu'elle entre dans le corps, le traverse, comme une lance. Pourquoi toutes ces ombres dans les coins sont des sacs qu'il faudra un jour porter. Pourquoi la même main qui caresse la beauté, en appuyant un peu, découvre et palpe la tumeur. Pourquoi tel visage qui allait vers un autre s'est détourné, emportant sa part du baiser comme une moitié de fruit. Je voudrais que ma mort soit une gomme, que tout doucement elle m'efface, avant que le goût de mon chewing-gum me lasse. Je voudrais qu'elle soit une cigarette, et qu'un jour au bout allumé, on me voit danser, disparaître, fumer. Je voudrais qu'elle soit parmi ses feuilles comme une rose sans épines, que ce soit elle qui me cueille, câline. Je voudrais qu'elle soit si haute voile qu'elle ferait pencher le bateau vers ma toute dernière escale sous l'eau. Je voudrais qu'au relais de ma vie, comme robe des demoiselles, tombe en douceur et poésie, dentelle. Bon, moi je dis souvent que le style d'un écrivain, c'est ses limites. Hein. C'est-à-dire que si un écrivain écrit de cette façon-là, c'est qu'il ne peut pas écrire autrement. Hein. On ne peut pas devenir un autre, il ne peut pas changer sans arrêt, se faire une écriture comme on se fait un habit d'Arlequin. Donc on a des limites. Je pense que moi, ma limite, c'est de ne pas savoir, par exemple, écrire une poésie du cri. De ne pas savoir écrire une poésie de la révolte, du déferlement. Hein. Il y a des grands poètes dans ce domaine, Aimé Césaire, ou le Québécois Gaston Miron, qui sont des grands poètes de la profération et qui le font très bien. Bon, moi, je dois reconnaître que j'ai ce qu'on appellerait un petit filet de voix. J'écris plutôt une poésie à voix basse, ou mezzo voce, en tout cas, hein, c'est pas... Donc aucun de mes poèmes ne crie, aucun de mes poèmes ne porte de façon évidente des signes de révolte ou de cri. Mais je cherche en effet à ce que quand même le lecteur comprenne que dans ce calme apparent, cette mesure apparente de l'écriture, il y a de la déchirure. Il y a de l'angoisse, il y a aussi de la révolte d'ailleurs, de l'indignation, etc. Mais je suis pas sûr qu'on entende mieux les cris que les murmures. Et du coup, moi je me sens plus dans mon style, si on peut dire, en écrivant comme j'écris. Un jour tu regarderas se replier dans ta main cette feuille que tu prenais pour ma main. Elle aura eu printemps, été, automne, mais jamais d'arbre, ou tenir plus fort qu'à toi.
on va parler de soi, mais d'une façon qu'on ne soupçonnait peut-être pas avant, et donc on se dit, tiens, je suis ça aussi, je suis ce que dit ce poème de moi, je suis ça aussi, et on ne le savait pas forcément avant. Et je crois que la pratique de la poésie peut être aussi, évidemment, un perpétuel exercice de dédoublement, de quitter la peau de celui qu'on est habituellement pour d'un seul coup entrer dans cette peau nouvelle que nous donne, au moins un instant, le poème. Cette autre identité qui semble apparaître dans la poésie. Mais je crois aussi que la plupart des gens écrivent de la poésie pour perpétuellement aussi s'inventer. Hein, c'est-à-dire que quand on écrit un poème, on est dans ce qu'on est en train d'écrire, on devient quelqu'un d'autre, on devient celui qu'on n'était pas avant de l'écrire, ou du moins on exprime une partie de soi qui peut-être était restée enfouie, etc. Et je crois qu'on écrit aussi de la poésie par aventure. C'est une aventure pour se trouver ailleurs que ce qui est la vie quotidienne. Je ne vous retiens pas, disaient ceux avec qui j'écoutais une musique de plus en plus ténue. Et il y eut des portes fermées dans mon dos, qui ont depuis longtemps effacé leur visage. J'ai continué, pied au plancher dans la vie lente, comme au milieu d'une autoroute qui écarte les paysages. Maintenant, dès que le soleil décline, je m'arrête, pour vérifier si c'est mon ombre qui grandit ou moi qui rapetissent.